Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. On dirait John Wayne avec son chapeau. Ah, il est étiquette au devant. Bonjour à tout le monde. Ça, c'est mon fils. Okay. Bonjour. Mes chers administrés, si vous voulez avoir des autoroutes l'année prochaine sur votre commune, je vous demande de vous rapprocher. D'abord, votez pour moi. Bouge pas. Ça c'était pas prévu, mais merci d'y penser. Parce que on va pas à l'église, mais il faut quand même survivre. Alors l'habitude effectivement qu'à l'église on fait la quête. Et j'avais oublié ce petit truc.
Donc si quelqu'un pouvait aller chercher un petit panier. Alors c'est pas pour le cadeau, hein. Le cadeau c'est après, vous mettrez vos gros chèques. Mais c'est simplement pour vos petites pièces qui vous ennuient dans la poche. Donc quelqu'un pour aller chercher un panier pour les pièces, s'il vous plaît. En général, c'était pour les enfants du maire. C'est toujours comme à la mairie, c'est à l'église, c'est pour les enfants du curé. Voilà. Mais non, il faut de faire. Voilà, c'est pas bien. Madame, alors comment vous appelez? Je suis civil. Vous ne savez pas non plus. Vous allez les pousser, vous ne savez pas qui c'est. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon. Ah, le petit panier. Eh bien, tu peux. Non, non, c'est pas moi qui vais le faire, quand même. Là. Il y a le personnel pour ça, mademoiselle. À la peine, à la peine. Allez, non, 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 pas dedans. Non, 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 non. Madame, vous représentez qui, vous? Les mariés ou les futurs mariés ou les ex-futurs mariés, futurs ex-mariés, on les connaît. Mais vous, qui vous êtes? Je suis témoin. Témoin. À quel titre? À titre personnel. Bon, ramassé dans la rue, jeune homme. Pareil, je suis témoin à titre personnel. D'accord. Mademoiselle. Et monsieur. D'accord. Donc je vous présente quatre personnes ramassées dans le rue. Ces deux-là, vous les témoins, ils n'en avaient pas, personne ne pouvait les saquer. Bon voilà, alors je vais vous faire jouer un petit jeu. Et vous allez répondre à la phrase, qui veut que l'on se marie? Bon, déjà, il faut que vous arriviez à comprendre la phrase, mais je compte sur le cerveau collectif, parce qu'il paraît que le cerveau collectif, ça aide quand le cerveau individuel, il marche pas rond. Oui, dit Richard. T'as compris le cerveau collectif? Bon, c'est bon. Alors, l'individuel. Voilà. Tu comprends quoi à la phrase qui veut que l'on se marie? Qui veut que l'on se marie? La coutume. Là, tu as perdu ton tour, c'est fini. L'amour, l'amour. Allez, ça commence les niaiseries. Alors personne ne veut. Qu'est-ce que cette phrase qui veut qu'on se marie? Ma femme. Alors je vais vous dire une chose. Pour moi, ce n'est que quand le qui et le on que ça sera vrai. Donc je reprends la première phrase. Dépêche-toi. Il y a trois pages comme ça. Sans les improvisations. Vous êtes prêts? Parce qu'il y en a pour moi. Hein. T'as vu Carole? Oui, vous, Carole. T'as vu le contrôle? Bien. Je vous raconte une petite histoire que nous avons eue il y a trois jours avec Carole, il y a deux jours. Elle me dit, peux-tu m'envoyer le document que tu vas nous lire? Réponse immédiate, et je regarde Richard pas au hasard à cet instant. Je croyais que le pays des soviets était terminé et qu'on avait chacun sa libre parole et qu'on n'était pas obligé de montrer au parti son discours à l'avance. Oh, ça te va bien de parler comme ça. Bon. Et donc, j'ai dit à Carole, si tu veux faire une gentille petite fête avec ta soeur et ton frère pour féliciter tes parents qui en ont pris pour 50, eh bien, débrouille-toi, ça sera sans moi. Et Carole m'a de suite dit, non Denis, on veut que tu dises des bêtises. Donc j'ai un mandat. Bonjour, au revoir ma phrase. Qui veut que l'on se marie? Ce n'est que quand le qui et le on que c'est vrai. Les mariages, tu as une grossesse comme ça par hasard. Vous savez, ces petites choses qui existent, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi je fais. Pourquoi tu me regardes? Moi, j'étais à la clinique en train de me faire opérer l'appendicite et j'attendais deux dames qui disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire aux deux? Ça te rappelle quelque chose? Voilà. Et quelques temps après, il y en avait un qui allait au lycée, il avait l'alliance. Et les professeurs ils disaient, Morizet, pourquoi vous avez l'alliance? Alors, quand c'est la famille qui dit on va les marier, c'est toujours le on qui dit on va se marier. Toi, tu as l'air de comprendre. Tu es chauffeur et l'informaticien et tu comprends. Je ne vais pas te faire de vue parce qu'à mon avis, j'ai de l'emploi pour toi. Ma prochaine campagne municipale, à mon avis. Alors, quand c'est la famille, eh bien, c'est pour se prolonger. Vous l'aurez compris, le mariage d'Annie et Léon aujourd'hui est beau et digne. Attends, moi qui parle. Sinon, un mariage peut être beau et digne de l'État. Il peut être beau et digne de la peur. Quand on se marie, là. Putain, tu vas te marier, bordel, pour que tu t'engages. Non, pas vous. Et ça peut être beau et digne de la famille. Mais vous, c'est digne de vous. Et je vous félicite. Bravo.
Mademoiselle la future ex-mariée. Vous voulez dire quelque chose? Ben, qu'on n'avait pas pris la décision de se marier. Ah bon, d'accord. Monsieur, voulez-vous demander la main à madame pour encore 50 ans? Musique, s'il vous plaît. Brassens, j'ai l'honneur de ne pas te demander ma main. Même ça, on l'avait pris. Enfoiré. Et faites arrêter les voitures là, envoyez mon cortège pour qu'ils arrêtent. Alors le cortège, on voulait arriver avec des moteurs, j'en ai pas trouvé. On a dit avec des bicyclettes, puis Carole a dit, c'est quand même pas un ministre, tu es que maire, connard. Donc on est arrivé sans escorte. Je suis désolé. On n'entend pas la musique. Attends, tu appuies sur le bouton qui est le coup. Chauffeur de Céline, tu peux aller l'aider? Il y va. Ah là, mais ce mec, il amène Céline, il fait le chauffeur. Il a une bagnole. Alors il a honte, il regrette d'avoir qu'une Golf, il aurait pu amener la Mercedes. En plus, il fournit la bagnole. Il est informaticien, il m'a aidé tout à l'heure à dépanner un truc. Des mecs comme ça, on l'a trouvé. Il faut bien qu'il te braille. Ah, je veux pas dire, madame. Alors j'ai quand même une phrase. Bon, alors c'est sûr que vous voulez pas vous marier? Donc, Carole, la phrase que tu voulais que je dise maintenant. Tu la dis pas? Eh bien, je peux pas la dire. D'accord, c'est pas de soucis. Tu peux dire la phrase que tu aurais voulu que je dise et que je m'en rappelle pas? Non, je vais pas la dire, mais je vais prendre la parole. Si tu as fini. Alors, vas-y, attends, mais tiens, mais maintenant, un peu de tour. Moi, je crois. Mon frère et ma soeur, là. N'étais pas tout seul, s'il vous plaît. Musique. Vas-y, chérie. Eh oh. Ça va, mais je suis là. Je... Il a... Donne sa cuisson. Et Catherine, elle est où, Catherine? Elle n'est pas toute seule. Ils ont pas voulu parler. Moi, je suis ah. Alors, c'est un peu grâce à Cathy si on est tous réunis aujourd'hui. Elle a donné le top départ suivi de Tréfric par Élie. 3 ans après, c'est mon tour de rejoindre la famille et nous voilà tous réunis pour commencer une vie trépidante. Un petit passage au Combe, à Montpavé, et puis c'est parti pour Montréal. Papa dans son garage à réparer les voitures, changer les moteurs. Maman dans son petit local à faire de belles robes blanches qu'on n'avait surtout pas le droit de toucher, même pas on pouvait s'approcher, et où elle nous a appris quelque sorte de gros mots. Il y a eu aussi les gifles, les verres d'eau en pleine figure, etc. Malgré ça, on a passé une enfance mémorable, remplie de bons souvenirs. Les départs précipités pour la Haute-Savoie, le camping sauvage, les soirées déguisées, les bringues, les Noëls magiques malgré le manque d'argent, et des souvenirs moins drôles, gros choix musicaux, Georges Chelon, des réunions politiques qui n'en finissaient pas, etc. Ensuite est arrivé le temps de l'adolescence où on a découvert que nos parents étaient finalement plus cool que la moyenne. Vous avez ouvert vos portes à tous nos amis, même si des fois ils ont été accueillis avec un fusil. Vous nous avez laissé écouter notre musique pas toujours agréable à vos oreilles. Toutes ces années à vos côtés nous ont permis de passer à l'âge adulte avec de bonnes bases, en tout cas c'est pour moi, pour affronter les difficultés de la vie, et pour ça on vous dit un grand merci. Voilà, si quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter, la place est libre. Bravo, bravo. Mais là maintenant, je ne veux pas épouser tout à l'heure de mailler. Alors, dis donc. Écoute, c'est vous là qui sais ce que tu dois dire. Non, Léo, elle ne te marie pas. Elle ne te remarie pas, par contre. Elle a pris ta carte bleue, elle va recommencer. Elle va te faire un tas de choses. Elle va te miner entre les enfants, petits-enfants et le coiffeur.
Bon, ça va, hein, ça suffit. Quoi? Non, mais elle veut juste récupérer la tenue à tes ancêtres, les terres à tes ancêtres. Ce soir. Elle va te mettre régulièrement au régime. Te faire boire du vinaigre pur. Non, c'est pas vous. Mais bon, elle va quand même illuminer ta vie. Prendre soin de toi. Hein? Merci. Il est capable, on a cherché dans le Rhône, j'ai déjà vu jeter son portefeuille, donc j'ai peur qu'il recommence, donc ne marie pas. Bon, ça vaut la décision. Merci, merci, merci. Je sais pas, maman. Au pôle ou même pur des nôtres plats, bah tu vois, du coup, j'arrive à faire ça. Au pôle ou même pur des nôtres plats, Vers château, vers plein bord, vers diabolis et strambord. Pas la première, on est à la dernière. Il a tout lâché, regarde. Il a tout lâché, regarde. C'est pas beau, ça. Voilà. On a envie. On
On paraît laisser profiter, hein. Berk. J'ai pas vendu l'oreille. Allez, le gros plan sur l'œil là. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, vas-y. Non, j'ai demandé, on m'a dit non. Bon, toi, t'as dit pour les autres, c'est pareil. Qui c'est qui a beau? Si on leur a poussé une petite, là, vous n'êtes pas d'accord? Hein? Anaïs, tu peux nous baisser la musique, s'il te plaît? Allez, Léon. Léon. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents. Mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon en parlant de l'amour, qu'il est enfant de bohème. Je crois tout simplement que c'est du vieux roman, tout cela n'est que poème. Napolitaine ou bohémienne, dosa pas son délicieux. Mais rien n'égale nos provençales, car dans leur cœur il y a du feu. L'amour est un enfant du midi, il a vu le jour dans la Provence. Les poètes ont trouvé son nid dans les pins tout près de la Durance. De tous les coins du monde l'on vient sentir le parfum des romarins. De tout... Sans s'en apercevoir, du matin jusqu'au soir, au beau pays de Mireille, nous chantons des chansons fait comme des pinceaux. La gaieté nous ensoleille, blaguer sans cesse, avec adresse, c'est notre spécialité.
Et pour l'étreinte, nous n'avons crainte d'aucune rivalité. L'amour est un enfant du midi. Il a vu le jour dans la Provence. Les poètes ont trouvé son nid dans les pins tout près de la Durance. De tous les coins du monde l'on vient sentir le parfum des romarins. Dans notre ciel vermeil, l'amour et le soleil sont des jumeaux sans pareil. On fait de tous côtés des concours de beauté afin d'élire une reine. Tandis qu'à Tarascon, à Marseille, à Avignon, ça n'est vraiment pas la peine. Brunes ou blondes, minces ou rondes, chacune est un vrai bijou. C'est vrai. Des jolies femmes n'existent ailleurs que chez nous. L'amour est un enfant du midi. Il a vu le jour dans la Provence. Les poètes ont trouvé son nid dans les pins tout près de la Durance. De tous les coins du monde l'on vient sentir le parfum des romarins. Tout notre ciel vermeil, l'amour et le soleil sont des jumeaux sans pareil. Et voilà. Je voulais simplement vous dire d'abord un grand merci d'avoir répondu présent et un grand merci d'avoir été avec nous. Merci. On peut y aller, c'est bon. En fait, voilà, les petits sets de table qui sont devant vous sont offerts pour ceux qui le veulent. Et je voudrais remercier ma sœur. Là, vous allez, il y a un tas de moments où vous allez voir que le maillot. Non, non, mais ça va partir, ça va monter. Attention à mes poules, hein. Et après, ils feront plus gaffe, hein. On n'a pas besoin d'aller plumer.